Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Prey. Ça commence déjà à discuter donc on va y aller. C'est quoi? Voilà. C'est quoi? Ça c'est l'arboretum, ça m'intéresse pas. Cargo B, Shuttle B, c'est pas par là qu'il faut que j'aille. Attendez, map. Map. Carte de la station. Putain, j'aurais dû aller de l'arboretum au grand hall, je pense. J'y gagnerais du temps. On y va, on va se faire du mal. On va se faire du mal, chers amis. Hop, je coupe mon téléphone de passage, comme ça je suis tranquille. Crac, enfin, je le verrouille. Ce qui m'évite d'être éclairé par le bas, déjà, c'est pas mal. C'est déjà pas mal. Bon, on y va. Alors, on a quand même une grosse emmerde qui nous arrive sur le dos. On a un gigantesque typhoon qui veut nous bouffer. Microgravité détectée. Oh, nom de Dieu. Sésame! Merci. Map, c'est par où? Jack, c'est par où? Là, il y a la serre. Faut que je descende. Ah oui, c'est dans le truc central. Allez, on y va. Hop. Sésame. Merde. Ouvre-toi. Oui. On va aller au bureau. J'y réfléchis un petit peu la dernière fois. Ça me revient un peu petit à petit. Vous savez qu'on n'avait pas accès au constructeur. J'ai envie d'aller voir le constructeur du bureau. Je pense que c'est le plus proche. Enfin, j'espère qu'il fonctionnera. Parce que bon, c'est vrai que si le machin il est rentré dans tout le... toute la station, effectivement, ça va pas. Ah bah. Il finira par vous traverser l'esprit. Il me tape alors. Surtout pas. Je ne peux pas prédire ce qui se passerait si vous scanniez l'Apex. Mais tous les indicateurs signent de la souffrance. Problème résolu. Bonjour. Merci. Voilà. Trop du cul. Ok. On n'est pas trop mal, même s'il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose tout à l'heure. Enfin, la dernière fois. Là-dedans. Ce qui m'inquiète un peu. Je peux même pas m'accroupir pour prendre un dégât furtif. Et je n'ai même pas accès. Si j'ai accès à mon inventaire, c'est déjà ça. Mais j'ai pas de quoi réparer mon armure, normalement. C'est détaché. Ouais, j'ai pas ça. Donc, ça pue du cul, vu que notre armure est déjà bien endommagée. Elle est même quasiment recte, hein. Ok, c'est radioactif en plus dans le coin. De mieux en mieux. Aïe. Je fais des grands tours exprès, mais... qu'est-ce que c'est? C'est des lumières. Ok. Faut que tu me tiennes en vie, toi, hein. Et Morgan ne t'a rien dit sur moi. Pas même... seulement quelques détails sur votre état de santé, mademoiselle Yu. Oui, bah... Morgan, j'espère que tu ne m'en veux pas, j'utilisais ton poste de travail. Non, je t'en veux pas. Yushin a refusé 13 fois d'accéder à ma demande de CP. Et inutile de mentionner la 14e fois à Morgan, January. Je me suis permis de te ravitailler. J'ai trouvé de quoi manger en chemin, j'ai laissé tout ça sur ton bureau. Oh. Ne t'inquiète pas, tout était rien. J'ai vérifié aucun... ah bah oui, tu m'as vachement ravitaillé. Yushin ne se trompe pas. Il n'y a aucun typhoon Cacoplasmus présent. Merci, January. C'est la première fois que je reviens ici depuis ton petit serment. Casse-toi, tu m'emmerdes d'être là. J'étais certaine que tu allais me virer. Oh putain. Malheureusement, tu avais un faible pour j'ai moi. J'ai envie de lui tirer dessus. Ça se voyait. Mais casse-toi! Putain, elle est juste devant. On va tenter un fousroda, mais... c'est pas dit que ça marche. Allez, enregistre. Voilà. Fousroda! Ah bah. Ah bah. Non, je veux pas faire ça. Je peux la tuer, donc. C'est tentant. C'est bougrement tentant.
C'est pas là. Oh putain. Allez, fais péter. Tu peux pas te casser de là? Non, sérieusement. On y est presque. Oh là 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 là. Putain, elle a bougé. Ouh. Elle a bougé. Elle a bougé. Elle a bougé. Vite, vite, vite. Est-ce que je fais une ellipse? Oui, ellipse. Ok, re, chers amis, donc on est bon. J'ai fait plus ou moins le plein. Utilitaire. C'est pas ça. Voilà. Soit vous détruisez Talos One, soit cette créature nous détruit tous. Non, je vais faire mieux que ça. Prototype d'émetteur à onde 0, 333, c'est parti mon kiki. Wouh. Crac boum le voici. T'es obligé de mettre l'objet comme ça. Je vois pas ce que c'est. Département psychotronique, dans le cylindre de confinement d'origine. En plaçant l'émetteur d'onde 0 dedans, notre signal se diffusera sur l'intégralité du réseau. Ok. Utilise ton psychoscope pour localiser l'endroit exact. Est-ce que je peux rouvrir la vitre? Putain, je peux pas rouvrir la vitre. Ok, bon. Cœur du corail, 70 mètres. J'imagine que c'est là-bas qu'il faut que j'aille. Psychotronique. Oh là 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 là. Ça passe par les chiottes? Non, ça passe pas par les chiottes. Hall psychotronique, d'accord. Donc je suis... où? Je suis là, faudrait que je descende là, que je descende au niveau 2, puis au niveau... de base. Ok, je vois où c'est. Ok, je vois où c'est bon. Ok, bon bah on est bon, on y va. Hop, c'est parti. Allez, shotgun. Scan de la cible, matériel, Typhoon. On y va. Et on ne s'arrête plus, putain. Ouvre-toi, allez. Alors il devrait y avoir un typhoon, un fantôme. Il n'y en a pas. Hop là. Coucou. Psychotronique. Wouhou. On s'en sort plutôt bien. On s'en sort plutôt bien. On s'est quand même fait rect un petit peu par ces saloperies de espèces de filaments là qui te rentrent, qui te traversent et qui te tuent. Mais alors ce qui est bizarre, c'est qu'eux ont la capacité de le faire, mais pas le... pas le... comment ils appellent ça déjà, le, l'espèce de miel là qui... voilà ça là. Mais j'ai pas forcément envie d'aller là-dedans moi. Ok. Je l'ai eu. Hop. Voilà. Je sais plus si c'est par là. On monte. On est bon. Putain de tisseur. Un putain de tisseur. Voilà, c'est plus un tisseur. Recharge. Opérateur scientifique, il est en forme. Wow, c'est bon. C'est là qu'il faut que j'aille le mettre. Putain, mais c'est hyper radioactif là-dedans. La porte d'entrée, elle est pas par là? Non, elle est pas par là. Extraction du matériau. Attends, comment je suis censé y aller dedans, moi? Pas par là. Map. Map. Placer le produit de bureau. Placer le produit. Oui, c'est marrant.
Comment j'y vais là-dedans, moi? Oula, c'est quoi ça? Un nid de cristoïde, ça va, c'est rien. Ah putain, c'est ici. Wow! Il y en a plusieurs. Aïe, là. Sale bête. Putain, mais il faut combien de balles pour crever? En plus, il y a plusieurs. Voilà. On est bon. Ok. Devait y en avoir un autre quelque part pour m'en envoyer autant. Non? Ok, bon, bah on y va alors. Sauvegarde en cours. Microgravité détectée. Cool. Allez, on perd pas de temps, Marcus, on perd pas de temps. Hop. On déploie. Donnez-lui de l'adrénaline. Ensuite, une autre dose de lignée cellulaire de Morgan. Mais allez-y. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? De lignée cellulaire? Ça se trouve c'est lui qui va me tuer. Hein. Gravité normale. C'est... Les empires, comme des crocs qui s'enfoncent dans la cervelle. Ah, oh, pauvre de toi. M.U. les cris se rapprochent plus fort. Je crois que les cris viennent du futur. Oh là, ça va vraiment pas dans ta tête, toi, bonhomme. Ouais, bah en parlant d'animal. Toi, je t'aime pas. Qu'en sera-t-il après? Aucune donnée. C'est un pari osé de penser qu'il n'y a pas d'autre prédateur comme le Typhoon. Dans l'histoire de l'univers, l'humain n'a pris conscience de lui-même que récemment. Et vous allez toutefois ouvrir en grand la porte à un écosystème cosmique bien plus vaste et bien plus ancien. Quoi? Nourris de la conscience. Ce sont des eaux infestées de requins. Alex pense que nous pouvons incarner le requin blanc. Et si nous étions seulement les pauvres nageurs entourés de sang? Oh! T'es optimiste comme garçon ou pas? Mal à croire que tu sois basé sur ma gueule! Il est pas optimiste du tout! C'est quoi ce bordel? Mais je regarde là parce que j'ai appuyé d'être en live maintenant. Du coup, je regarde toujours là-bas. Faudrait que j'arrive à te mettre en fait la cam sur un deuxième écran ici. Mais c'est pas possible en termes de taille d'écran. Que si, ça serait peut-être possible. Mais pas... Enfin, on verra. C'est peut-être possible, finalement. La dimension des écrans est pas... Bref. On verra. Ah, je vais te sauver. Je vais te sauver, garçon. Allez, bien. Bien. Non, en fait, je vais pas te sauver. Désolé, t'es déjà mort. Tu ne le sais pas, mais tu es déjà mort. Et c'est quand que ça se déclenche, mon Dieu? Bonsoir, Talos. Un mot des chef de la sécurité, Madame Lazare. Pour protéger la vie privée de vos collègues, s'en fout des Lazare. Les mots de sécurité sont réservés aux utilisations autorisées uniquement. Si vous ne portez pas d'uniforme bleu, ouvre. Vous n'avez probablement pas les autorisations nécessaires. Raté. Je suis censé aller où? Je suis censé aller où? Arboretum. Ok. Go. Ah oui, on va aller dans la station en haut, vous savez, en haut du comment du truc. Ce qui veut dire qu'il faut que je retraverse l'intégralité du niveau. Oh là là. C'est la catastrophe. Je rappelle que c'est de là qu'il vient le monstre. C'est pas bon d'y aller. On devrait même pas y retourner. Hashtag on veut un boss de fin de jeu. Ah là 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 là. Sortir. Laisse-moi sortir. Merci. Hop. Bonjour. Tu es mort. Oh là 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 là. Je m'appelle Yu, M.U. Morgan pour les intimes, on va dire. Ou Marcus pour les intimes. Marcus Yu. Est-ce que Marcus Yu va s'en sortir? Lui qui est rempli, devenu un typhoon littéralement, hein. Ça risque de me faire très très mal. Je sens que je vais mourir. J'espère qu'il y a personne devant moi. Oula. D'accord. Ok. Wouhou! Commande de l'émetteur d'Ordre Zéro. Wouah!
I believe I can fly. Ah, je me suis pris un arbre. I believe I can touch the sky. Think about it every night and day. Ah, nom de Dieu. Le frein, il est là. J'ai trouvé le frein. Oh putain. T'as la sale bête. Spread my wings and fly away. Une grande question. Est-ce qu'il va y avoir de la gravité derrière la porte? Peut-être. Peut-être. Peut-être allons-nous nous en sortir. Et réponse. Ouh. Il y a une tourelle. Bonjour tourelle. Pour passer devant comme un gros débile. Aïe. 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 Non, c'est bon. X. Aïe. C'est bon, on est bon. Ouh, pas passé loin cela dit, mais c'est, on est bon. Hop, préparé. Je peux pas la fortifier malheureusement. Si je peux. Je pensais que ça la pèterait complètement, mais apparemment non. Ok. Deux fois la même, c'est la fête du slip. Je suis con en plus. Hop là, c'est. On est tranquille. Allez, on va la réparer aussi pour la forme. Ah putain. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai suivi les ordres de Morgan. Impossible, tu n'es qu'une machine. Une abomination mécanique, Morgan n'aurait jamais. Tu l'as piégé. Qui t'a programmé? Je représente les désirs de Morgan You, Morgan. Ton opérateur m'empêche d'accéder au terminal de transmission. Pourquoi? Il faut qu'on se connecte à l'émetteur d'onde zéro si on veut capter le signal pendant qu'il en est encore temps. Prenez les risques en compte. Le plan d'Alex, si tant est qu'il fonctionne, n'est qu'une solution à court terme. Aucun de nous n'a le droit de condamner toute vie sur Terre. S'il y a quelqu'un qui se prend pour nous, c'est toi. Ton plan dément ne fait que refuser à l'humanité son droit d'explorer l'univers. Vous savez comment sont fabriqués les neuromodes. La demande ne cessera d'augmenter. Dans l'avenir qu'Alex souhaite, des millions mourront afin de garantir le statut d'une poignée de privilégiés. Je ne discuterai pas avec un routeur de luxe. Détruis-le, Morgan. Je suis désolé, Morgan. Je ne peux pas vous laisser accéder au terminal. Vous allez devoir me détruire. Ce qui revient à vous détruire vous-même. Très bien, je m'en chargerai moi-même. Directive stipule que je dois tout faire pour vous assister dans la destruction de Talos One et des Typhoons. La destruction de la station permettra de protéger la Terre. Et peut-être même offrir un début de compensation. Je ne peux pas vous laisser accéder au terminal. Si vous souhaitez activer l'émetteur d'onde zéro, il vous faudra me tuer. J'ai une question. Morgan You est-il capable d'éprouver de la compassion? Il ne s'agit pas de défendre ses intérêts. Je ne suis qu'un ersatz de votre personnalité. Je ne peux pas ressentir à votre place. Bougez-moi. Toutes les fenêtres de la station. Il envahit toute la station. C'est partout. Désolé. J'active. Pourquoi je l'ai activé? Parce que de mon point de vue, même s'il est programmé avec ma logique, il reste une machine, donc une logique est binaire. Compliqué. C'est le futur aujourd'hui. Et plus important, notre passé aujourd'hui. Voilà ce à quoi aspire Transtar. Tous ses employés travaillant ensemble. C'est l'immortalité. Et c'est magnifique. Pfff.
Seriously? Ok. bon. Un instant. Crac. Je fais ça. Bon. Parlons-en. Donc, jeu Bethesda. Hein, clairement, donc on a eu des gros problèmes de bugs pendant tout le jeu. On a une histoire qui, au-delà d'être assez linéaire, semble avoir des détails très bien cachés et très bien fournis. Une direction artistique qui est extrêmement élaborée, mais vraiment extrêmement. Semblable à tout ce qui est. Tout ce qu'on a pu déjà voir dans. D'accord. Dans. Dishonored ou autre. Type de conception, en tout cas de design dans d'autres jeux Bethesda. Enfin, Arkane Studio surtout en fait. C'est le studio Arkane, faut le dire aussi. Hein. Surtout le studio Arkane qui a donné les graphismes. C'est comment ça s'est passé à l'époque ou je sais pas c'est quoi ce bordel, c'est très étrange. Bref, un jeu qui visuellement claque, hein, des séquences de gameplay qui changent en fonction de la gravité ou pas, c'est intéressant. Un tisseur, un bonjour. En tout cas, ouais, un jeu intéressant, mais qui reste dans le principe, un jeu Bethesda. Semblable à beaucoup de jeux d'Arkane, alors pour ce qu'il en est visuellement. Son gameplay est donc, comme je l'ai dit, varié, entre guillemets, et nécessite une adaptation aux différents monstres, en fait, aux différentes entités que l'on rencontre. Parlons de la difficulté. La difficulté du jeu est moyenne, mais moyenne plus, vu que certains bugs ou certains problèmes de conception du jeu le rendent assez, assez particulier. Je parle principalement pour moi, c'est mon avis, hein, des dégâts des armes et de la capacité à recréer les munitions. On passe 10 minutes à recréer des munitions qui finalement pourraient être créées bien plus vite en spammant le bouton créer ou n'importe quoi, en augmentant le nombre de ressources. Donc ça, c'est un peu dommage, on passe finalement beaucoup de temps à chaque point de checkpoint. Pour, au final, arriver devant des ennemis au bout d'un moment, si on veut y aller en mode bourrin, ne pas pouvoir le faire. Donc bon, c'est un peu dommage. Sinon, en termes d'histoire, une histoire encore une fois très linéaire. Bien qu'il y ait quelques twists. Ça, c'est toujours intéressant d'avoir quelques twists. Mais sinon, oui, pas magnifique. Et une fin, bah écoutez, la décevante. Je sais pas comment se passe l'autre choix, et j'ai même pas envie de savoir, parce que j'ai peur d'être déçu. Là, je ne comprends pas qu'on puisse avoir une fin de ce style sur un jeu AAA. Là, je suis complètement étonné. Bon, c'est comme ça. Après, on n'y peut rien. Hein. Cela dit, moi, je vais noter sur mon petit carnet. Prey. La fin. Avec un point d'exclamation, parce qu'il va falloir au moins ça pour vous cheer up. Au passage, j'ai donc tous ces trucs-là à monter aujourd'hui, et il y a, alors oui, c'est marqué FN, aucun rapport avec le parti politique, mais je vous invite à réfléchir vite fait sur ce que cela peut être. même si c'est pas vraiment des initiales, c'est juste la composition du nom qui me fait penser à FN. C'est comme ça que je cherche en fait mes tournages, que je note ce que je fais dedans et donc ce qui me sert de titre, tout bêtement. Donc ouais, un jeu. Moyen plus, effectivement comme la difficulté. Je vais dire moyen plus. Des musiques moins bonnes, j'aurais préféré que ce soit plus orienté. Alors j'aurais préféré que les monstres soient plus simples à tuer, mais plus putes finalement, si je puis dire. J'aurais préféré moins de ghosts, plus de mimiques, et rendre le jeu beaucoup plus horreur. J'aurais vraiment préféré ce principe-là. Ils sont partis sur un jeu d'action, plutôt un shooter action, pas du tout horreur. C'est dommage, hein. Enfin, FPS d'action. Ouais, on va dire ça comme ça. Et je trouve ça un peu dommage, ils sont un peu plantés, je trouve, de catégorie. Moi, je m'attendais à un véritable jeu d'horreur avec moult mimiques.
Et par exemple, vous savez, des QTE, genre le mimique vous saute dessus, votre personnage a un réflexe, et vous repoussez le mimique. Et ça m'aurait semblé bien plus logique, un peu à la manière de tous les jeux d'horreur, où quand vous vous retournez, des fois vous voyez un zombie qui vous prend comme ça. Et vous êtes comme ça en train de vous efforcer de survivre. Et j'aurais préféré ce genre de jeu à un jeu de ce style. Bon, c'est vrai que Bethesda et Arkane ne font pas vraiment de jeux d'horreur, je crois. Je ne sais pas. Call of Duty, Bioshock. Ah, il y avait quand même du Bioshock, hein, forcément. Bah oui, ça sentait l'univers Bioshock, ça sentait. Dishonored. Ouais. Dark Messiah. Ouais, voilà, c'est pas vraiment des jeux d'horreur. Même si Bioshock. C'est le 2. Même si Bioshock restait un jeu plus proche de l'horreur, je trouve que Prey, et c'est peut-être un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage. Bon, après, c'est mon avis, hein. Mais sinon, le jeu, en dehors de ça, est assez bon. Si vous avez la chance de pouvoir le faire tourner, etc., etc., je vous le conseille. Ça reste une bonne histoire, un bon moment de gameplay. Je sais qu'il y a quelques modes qui circulent petit à petit sur le truc, mais ça va pas être épique. Et j'aurais bien aimé qu'il y ait un mode vraiment horreur. Mais bon, le travail est trop conséquent pour un modeur. Mais clairement, oui, pour moi, le titre s'est trompé un petit peu de style. C'est, enfin, en tout cas, c'est pas ce à quoi je m'attendais, moi, véritablement. On a quand même la petite touche Bioshock, la petite touche Dishonored, avec le coup du « vous faites vos choix et attention à ce qui va arriver », même si là, pour le coup, on n'a aucune info sur la suite de l'histoire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il va y avoir un 2 et du coup, ils ont donné un minimum. Je trouverais ça moyen, et je vois pas de 2, en fait. À part les mimiques qui arrivent sur Terre, mais là, ça changerait complètement le jeu. Et honnêtement, j'aurais même pas envie d'y jouer. Là, avec l'expérience de jeu que j'en ai, même si elle est moyenne plus, ça donne pas envie. Donc je sais pas. Bon, bah moi je vous laisse là en tout cas les amis. Un endroit secret. Oh, excusez-moi, j'attends un petit colis, du coup je vais entendre le facteur passer. Alors, un endroit secret. LGV 3.5. Ok, bonjour. D'accord, tout ça, ce serait potentiellement une expérience. D'accord, intéressant. Merde. Excusez-moi. J'ai oublié de vous mettre le son, excusez-moi. Du coup, oui, voilà. Donc, ils ont parlé plus ou moins, c'était, il y avait January. Vous avez pu lire à l'écran, excusez-moi pour le problème. C'est cruel. Il n'y a pas d'autre mot. Mais... La laisseriez-vous vivre? Oui. Sarah, à votre tour. Oh putain. La situation à la zone de fret était désespérée. Sans elle, nous serions tous morts. De plus, elle a éliminé de nombreux typhoons à travers la station. C'est plutôt bon signe, vous ne trouvez pas? De plus, elle a empêché Dahl de nous prendre en otage. Si c'était un de mes officiers, je lui aurais donné une médaille. Ça fait 2 pour moi. Daniel, qu'en dites-vous? Cette chose m'a trouvé. Elle n'en avait pas besoin, mais elle l'a fait. Je lui ai demandé d'arrêter le volontaire 37, mais elle l'a épargné. Elle n'agit pas pour punir ou châtier. Elle aurait pu blesser beaucoup d'humains possédés par les typhoons. Au lieu de ça, elle a redoublé d'efforts justement pour ne pas en arriver là. Ah! Je pense que le risque en vaut la peine. Au final, elle a opté pour l'activation de l'émetteur d'onde zéro. Pourquoi? Pour protéger la technologie Typhoon de la destruction. Il nous est impossible de définir ce qui l'a motivée dans ses actes. Il faut que nous prenions une décision.
Tu nous entends, n'est-ce pas? Là. Il faut que tu vois quelque chose. Tout ça n'était qu'un jeu. Oh putain. Enter the Matrix. D'ailleurs, tous les écrans comme ça font carrément penser à Matrix. Ce que tu as vécu était une reconstitution des souvenirs de Morgan. Mm-hmm. Voici le monde tel qu'il est aujourd'hui. Ouch. Ouh, ça pue du cul. Nous avons passé des années à essayer d'assimiler tes facultés. Mais nous n'avons jamais voulu aliéner ta vraie nature. Jusqu'à maintenant. Tu es le lien entre nos deux espèces. D'accord. Il faut que je sache si tu nous vois. Vous avez vu mes gants? Alors par rapport à mes mains, par rapport à mes pieds. Si c'est le cas, prends ma main. On va secouer tout ça. Comme au bon vieux temps. Et voilà. Donc c'est encore pire. Ils vous refoutent une deuxième partie de fin qui ne donne aucune réponse. Et qui au contraire vous dit que ben voilà, vous avez joué à un jeu vidéo, même dans le jeu. Ça me rappelle Divinity 2 Ego Draconis, où vous apprenez à la toute fin que depuis le début, vous travaillez pour le méchant. Jeu inutile. Donc vous perdez forcément. Bon. Sur ce choc qui est cette deuxième fin, je vous laisse là et je vous dis à plus pour d'autres aventures sur la chaîne et je ne sais pas encore quel jeu je vais mettre à la suite. Désolé, à plus.